Monster Kill. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warriors 2. Nous reprenons la voiture, nous avons notre shotgun maintenant. Et nous allons continuer à accomplir nos différentes quêtes, missions, d'accord. D'accord, ok, c'est intéressant. Apparemment, en étant invisible, on peut devenir invisible. Et on peut... Apparemment, on peut faire des dégâts plus importants avec un premier coup en tant qu'invisible, en tant qu'ennemi invisible. Enfin, derrière un ennemi. En tout cas, dans un ennemi qui ne vous suspectait pas. Là, pour être présent, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer. In-game, voilà, j'appuie. C'est joli! Ma que c'est joli! Happy future. Hey, one out of three ain't bad. Le lièvre d'Inaba, deuxième partie, d'accord. Intéressant, il y a des choses un peu partout, c'est cool. Il y a apparemment plein de secrets à... Munitions au max, pourquoi pas. Je ne vois pas d'ennemis jusque là. Quand je fais les poubelles, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. C'est vraiment extrêmement bien fichu visuellement, hein, honnêtement. D'accord, voilà, ça que je cherche un petit peu aussi. Un moyen de me baisser. Ok, je vois qu'il y a encore des... Quand la musique s'est accélérée comme ça, je me suis dit, oh, quelqu'un m'a repéré. Non, je peux pas grimper ici. Ok, désolé pour ta tête. D'accord, il cause. Ascenseur. Ok. D'accord, c'est joli, hein. Franchement, visuellement. Il y a un coffre. D'accord, avec de l'argent. Ok. Il y a des coffres à trouver. De la santé. Waouh, il y a plein de choses à faire dans le jeu. Ok, c'est pas grave, on y va. Ok. Chaque fois j'ai l'impression qu'on me repère. Mais bon, c'est pas le cas. Y'a pas d'ennemis dans le coin, c'est bizarre. Hein. It's just so hard to find a good forger these days. Bon, si ça, ça existe, bien y avoir quelque chose. Ah, j'aurais dû sauter deux fois. Décès. Ah non, occultation. Non, c'est d'accord, c'est un... C'est une mort, ok. Je viens de mourir, et apparemment, je pense que je viens de perdre de l'argent aussi au passage. Ok, mais est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à choper au moins ici? Apparemment non. C'est ça le pire. Ok. Une espèce d'hôpital. Je fouille un petit peu tout, hein, chers amis, mais... Jusque là, ça n'a pas été... Ça a bougé tout seul, ça. Ça n'a pas été complètement stupide de le faire. Ok. Bon, bah on y va, hein. Tant pis, hein. On y va. Là, il y a le garage. Ok. 22 000, je sais pas trop à quoi sert mon argent, sachant que je n'ai pas encore eu à l'utiliser, en fait. D'accord, je peux me téléporter, apparemment. Là-bas, il y avait un coffre. Regardez. Alors, est-ce qu'ils sont indiqués? Est-ce qu'ils sont indiqués? Effectivement, ils sont indiqués, apparemment. De l'argent, ok, pourquoi pas. Mais, du coup, je dois pas avoir accès à toute la map, c'est ça? C'est ça, je dois pas avoir accès à toute la map. Ok, donc je vais m'en approcher suffisamment pour m'en rendre compte. Qu'il y en a. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Faut qu'on découpe des gens, parce que là, je commence à m'ennuyer.
Allons-y. Note to self. Kill your fucking forger. What? Ah, la souris. Ce serait tellement plus simple. Hop. Hop. Ok. Ça c'est fait. C'est extrêmement cool. Apparemment il y avait des gens là-haut. Des gens que... je n'ai pas vu. Qui sont bien vivants apparemment. Putain, il y a des gens invisibles aussi. Ouf. Oh, vous allez me saouler vite. Tiens, regarde ça. Boum. Hop. Boum. Désolé. Ce bordel. Ok. Il est solide celui-là dedans. Ok. Ok. C'est bon. Ok. Putain, c'est dur de viser la tête avec ça. Oh, la vache. Hop, petit peu de santé. Hop. Ok. Plus de place, bizarrement. Apparemment, il en reste un. J'ai un coffre ici. Ok, un petit peu d'argent. Encore un petit peu plus d'argent. C'est la tête que j'essaie de couper, mais j'arrive pas. Ok. Merci d'être venu. J'utilise le truc pour me soigner. Et je récupère ça. Ok, ça commence à venir, chers amis. J'ai cru qu'il en restait un. J'ai cru qu'il en restait un, mais non, ça va. Ok, je vois qu'il y a du bleu là-haut. Bleu qui correspond à... D'accord, ça c'est... Ça, je capte. Là, il y a un coffre, un gros coffre avec plein plein de choses et de l'argent. Et des munitions. Ok. Attention, je pense que je récupère des munitions uniquement que pour l'arme qui soit équipée. Enfin, qui est équipée. Hop. Là, il y a quelque chose ici. De l'argent. Ok, 1300, je vais pas le passer à côté. Vous pouvez voir qu'on a que 28 000, c'est quand même un 1/28 de ce que j'ai. Ça, ça me plaît, ça. Je peux pas aller voir. Ok, ici on a un gros coffre. Encore une fois, plein d'argent. Ici encore plus d'argent. Il m'a dit qu'il y a un truc en dessous. Ok, un gros coffre. Complètement militaire en plus. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est juste de l'argent. Ok, Marcus, de la santé, pardon.
Pas obligé de t'en inquiéter, Marcus, ça va. Ça c'est quoi? Des cartouches, ok. Donc il y a différenciation des cartouches et des balles. Ça c'est un dominatrice, what the... Cette amulette augmente la probabilité de déflagration ki niveau 3+, et incursion des ténèbres niveau 4+, affecte les ennemis supérieurs. D'accord, mais comme je ne l'ai pas... Ok, pourquoi pas. Voilà, apparemment il y avait de l'argent aussi dans le coin, donc je l'ai récupéré. Ok, donc vous voyez que ça va être bien plus compliqué que prévu. Je pense qu'il va pas falloir qu'on hésite à utiliser des armes différentes. En l'occurrence, nous sommes actuellement... Et par conséquent, je pense que je vais réutiliser plutôt ce truc-là. Je suis pas le premier à être passé par là, j'ai l'impression. Ose me dire le contraire. Pourtant, il n'y a rien à y chercher. Ok, c'est pas grave. À côté, il y a un drôle de symbole ici qui est enfermé. Pour une raison que j'ignore. Ok. Là, je vais toujours pas lui couper la tête, c'est bien dommage. Ok, la suite. J'ai récupéré une carte. Maintenant, est-ce qu'elle marche celle-ci? Oui. Ça pue le cul-de-sac. Enfin, le piège. Wouh! Putain, mais ils sont balèzes! Point de compétence reçu. Parfait. Ok. D'accord, je pensais qu'il y avait un truc qui allait être intéressant. Oh là là, ils font mal. C'est quoi? Prendre. Carte d'accès niveau 2. D'accord. Ah, c'est un point pour un point, j'ai l'impression. Ah non, même pas, c'est pire que ça en plus. Ok, pourquoi pas. Magic, magic, ok. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic, 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 magic. Pour ceux qui connaissent pas la chanson, hein. Encore toi. De l'argent. Donne-moi tout ton argent. Da. J'aime l'argent. Il n'y en a pas là. J'ai les yeux qui piquent, cela dit. Hein. Je sais pas si c'est dû à la coloration du jeu, mais... Oh la vache. Je crois que la porte est en train de se refermer sur ma gueule. Ok. Deuxième porte. Oh, je sens que je vais me battre contre un truc gigantesque. Ah, room's locked. Bulletproof glass, too. I wonder if that's... Oh, Kamiko. My star pupil. On voit des gens. Of course it's her. Elle fait ses devoirs. Oh, il y a des monstres sympas à gauche et à droite, et dis donc. Hein. Come now. Come now, calm yourself, my dear. Donc c'est quoi? C'est le yin et le yang qui sont à côté d'elle? Do that, my dearest. It would spoil our grand experiment, and you always loved experiments. Ça fout les boules. Before we embark on this grand adventure, there's something I should say. I am deeply in your debt, young lady. I would never have achieved all that I have without your help. The lab just won't be the same without you. To steal from. Et tu comptes l'empêcher que ça arrive? Proceed. God damn it, Zilla. I knew you were into some twisted shit, but this is on a whole other level. That's strange. What's happening? Is she all right? Someone check her vitals. Pulse is normal, sir. Untie her gag. I don't want her suffocating. We need her to be... Flies.
carry on the stench of death. Oh my. Now this is getting. J'en connais deux qui vont se faire tellement défoncer par un monstre hentai. Bulldoze bodies. Open sores. Dismember children. Oula. Secure the room. I need to examine her in person. I'm on my way. Yes, sir. Hey, you guys know a good Mexican place around here? What? Un bon resto mexicain. Get him! Ça, c'est bien les restos mexicains. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez contre les restos mexicains? Ah, moi, il y a un truc ici. Au niveau inférieur. Wow! Bonjour! Résistant à la glace! C'est logique! Hop! Hop! Boum! Vous êtes mauvais! Boum! Je commence à comprendre. Bien joué. Crac! Je t'avais vu venir. Wow! Ça, je l'ai pas vu venir. Crac! Merci pour ta mort. J'ai pas su quoi dire. Qu'est-ce que c'est? Résistance élémentale, mais je sais pas si j'en ai véritablement besoin. Cartouche, je vais en avoir besoin du coup maintenant. Voilà, crac. Santé. Hop les. C'est dynamique, mais je commence à capter comment c'est censé se passer. Bizarre que ce soit pas activé tout ça. Pas de coffre ni rien dans le coin. Ok, on y va. Mange les ennemis au niveau inférieur. Ok, salut les filles. Et apparemment c'est toujours pas là. Bonjour. J'ai un coffre ici. Voyons voir ce qu'il contient. De l'argent en quantité astronomique. Des cartouches que j'ai déjà. Et en dessous j'en ai un autre. Trouver le pactole classique. Pactole classique. Oula. Argent trouvé plus 5,6%. Ok. Je veux bien l'activer. Hein. Ça me semble logique. Hein. Je trouve plus d'argent. Moi, ça me semble intéressant. Hein. On continue à descendre, apparemment. Point de passage. D'accord. Ce sont des points de passage. Je. Bon, la vache. Je l'avais pas vu. J'ai un point de compétence à mettre aussi, chers amis. Hop. Flamme irisseuse, maîtrise du ki, percée vortex, maîtrise de l'intelligentiste, moissonneur de karma, recycleur avide. J'augmente le pouvoir de la flamme irisseuse. Oh, allons-y. Bourrons-les tous. Hop. Hop. Recharge. C'est quoi? Hop. Où est-ce qu'il est? Hop. Hop, karma. Quand vous tuez des ennemis, vous gagnez du karma. En accumulant de karma, vous pouvez monter de niveau et gagner un point de compétence. Ok.
Ça, c'est ce qu'on a déjà vu, hein. C'est, ça s'appelle l'expérience, le karma. Ok. Coffre. Non. Coffre. De l'argent. Parfait. Balle moyenne. D'accord. Ici. Argent. Parfait. J'ai laissé de l'argent sur place, apparemment. Hop. Un biscuit chinois, un sourire et le parfait véhicule pour toutes les ambiguïtés, Armand Melville. D'accord. C'est sympa, ça. Ça casse un petit peu l'ambiance, mais c'est pas dérangeant. Enfin, non, ça casse pas l'ambiance comique du jeu. Mais ça rompt un petit peu l'action, c'est pas plus mal. Je suis pas contre cette idée. Par contre, je suis contre toutes ces saloperies, hein, je veux pas dire, mais là. Il y a peut-être des choses à faire, là, genre homicider tout ça, cramer le labo. Enfin bon, je regarde où on est dans l'épisode, chers amis. Ça nous a 20 minutes, il nous reste encore 5 minutes de vidéo, c'est parfait. Il a un arc dans la pose. Oh, la santé. Je suis déjà full, c'est pas grave. Oh les filles. Putain, j'ai cru que c'était des ennemis. Je vous trouve, marteau. Bon, allons-y. Allez, venez me chercher. Ok. Viens. Perdu. Tu as joué, tu as perdu. Je suis le meilleur en duel. Qu'est-ce que c'est? Sorcellerie classique. Qui, après avoir tué un ennemi? Oh. Oh. Comment avoir encore plus de kicks d'habitude? Faut absolument que je l'équipe sur un truc. Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir littéralement du ki à foison, quoi. Voilà. Je gagne plus 1 point. Ouais, 1,5 point de ki, c'est pas épique, mais ça peut peut-être être suffisant vis-à-vis des hordes d'ennemis qu'on peut affronter parfois, j'ai l'impression. Allons-y. Excusez-moi. La porte ne veut pas s'ouvrir. Je nettoie ma lame. Je suis déjà full. J'ai pas à me battre à la loyale. Ah, c'est un lieutenant, attendez. C'est un lieutenant. Ok, continue à me tirer dessus. Soin! Ça consomme, hein. Wow! Je crois qu'il y en avait. Je crois que je les avais tués. Hop! Immunité contre les pouvoirs. D'accord. Il a l'air badass, lui. Grenade! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? Et de 1! Venez les filles. Venez les filles. Disparu? Oh. Hop. Désolé. C'est fini. Wow, grenade. J'arrive pas à parer.
Ok, je l'ai eu. J'attendais pas à l'avoir sur ça. Ça, je prends. Danger ordinaire, dégâts plus 6,5, je prends. Deckard, revolver. Ouh! Ouh! Un pistolet laser! Il fait des piou-piou! Je récupère un petit peu de santé. Ça, qu'est-ce que c'est? Préservation ordinaire. Amélioration multijoueur. D'accord, je te le dis. Il fait des piou-piou! Il a combien de... C'est marrant, il fait un truc bizarre quand je tire. Pourquoi pas. Pyromanie, remarque! Des raies, des brûlures, conversion des dégâts en dégâts de feu. Ouh! Intéressant. Intéressant. J'aime. J'aime. Alors, des dégâts de brûlure, je les rajouterai sur quoi? Sur quelle arme? Oh. Sur ça? Ouais, mais on va voir si ça marche, on va bien voir si ça marche. Hop. Visuellement, elle a pas changé, mais ça me rappelle un petit peu. C'est parti. 0, 1, 1, 2, 3. Ah, c'est pas la forme, Simon. 8, 13, 21, 34. Hey, spooky number lady. I'm gonna get you out of here. I just need you to. Ça, ça pue. I am the end of all. Ça, ça pue. I am the shadow of the world. Indokfila Boshina. God damn, girl! To what thou wilt shall be the whole of the law. I am the filth under your nails. I am the oil that stains your soul. I am despair made manifest. Okay, so this is probably a terrible idea, but I'm sort of out of options here. I'm gonna untie you. When I do, please don't eat my face. Okay? Friend! All right, here we go. There we go. And my face remains uneaten. Gonna put that one in the plus column. Up you go. Come on. Essaye de me bouffer la face, hein. Take it easy there. You're doing really well with the non-face eating. Now, where's the emergency exit? Fuck, Zilla. This place is a fire hazard if I've ever seen. Oh, hello, ladies. What's that? Ils sont montés pendant que j'étais en bas. You're trapped in a glass box? Oh, that's good. How many years did you spend in mime school? Listen, I would love to stay and catch up, but I've got this possessed girl and she's... Elle est un petit peu en colère. You see what I mean? Kids today, right? Les enfants de nos jours, oh putain. Smith. D'accord, Kamiko. Téléportation. What happened? They shot her up with some kind of serum and she went like this. Follow me quickly. Through here. I hope I can trust you. Bah vu que j'ai ramené la fille pour de l'argent. What is this place? This is my other workshop. Ouh, je vois un truc qui me plaît là. Holy pieces of sacks of shit. Where did you get all these swords? Oh la vache. I made them. They are my family's trade. D'accord. There is no time to explain. Lay her down here. Okay. There. Now, wait here for a moment. Wait okay. Here? Oh, not a problem. I'll just hang out here while Linda Blair pukes blood out of her eyeballs. I know. I don't like it any more than you do. Go now? Unless we act quickly, she will die. Who's this we, white man? Excuse me? Il est pas si blanc que ça. Okay, okay. What do you need me to do? I need a place for her to stay. I have a futon she can sleep on. It's also my couch, but it's clean. But shit, you have this place. Why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with. You need a... Her body has been corrupted. If I do not separate her soul from it in the next few minutes, it will become corrupted as well, and she will be gone forever. That is pretty fucked up. Once her soul is removed, we can fix her body. And then she can re-enter it. But in the meantime, I need a place to keep it. Une épée? Her soul. Seriously. I did something like this once before, and it did not end well. In truth, you are my only option. Okay, keep it in your soul, then. I can't. I'm performing the ritual.
Oh, there's rules. That's convenient. She's too far gone. Forcément. I have to start. Hey, con di wagorum tiketa. I'm not getting paid enough for this shit. Ah non, t'es pas assez payé, effectivement, là. What are you doing to her, old man? Are you ready? Non! Ready for what? Non, je suis pas prêt. Putain, j'ai dit que j'étais pas prêt. Bonjour. Hello. Bonjour. Who is that? It's me. Kamiko. The girl from Zilla Labs. Yeah. The one I rescued. I'm not sure. I don't remember much. Where are you? I don't know. Where are you? I'm not sure. Everything got so loud, and it all went black. Well, have you tried opening your eyes? It actually hadn't occurred to me. Are you okay? Smith, I'm fine. I just... Where am I? Kamiko, are you okay? She's all right. She just told you. Wait, this is the weirdest... Is this my body? Oui, wait, are these my fingers? Wait, who's talking? I didn't hear anything. In my head, I keep hearing... In your head? Am I... Can you hear me? Is she... Okay, I think it worked. Kamiko's soul has been temporarily placed in your care. On est deux dans mon corps. Are you serious? It's really rather miraculous. That's not the word I would have chosen. Oh, I'm riding dans la shotgun merde. With this dimwit. Do you understand? Quand elle aura ses règles, ce sera comment pour moi, hein? Everything is going to be all right. Parce que s'il y a du sang qui me sort de la pine, ça va pas le faire. Right, sure. I mean, this day's been fantastic so far. I lost my job, and then my boss tried to kill me, and now I'm stuck inside the head of some wannabe ninja! She's great. How long do we have to do this for? Oh, c'est la violence. Bonjour. Passez à récupérer le manuel dans votre appartement à la Wong Cave. Ok. Alors, je vais t'aider, je sais même pas comment je suis censé... sauvegarder. Donc, apparemment ça et ça c'est important, mais pas pour l'instant. Ok. What? Oh, il y aurait bien l'événement Duke Nukem. Il y aurait bien l'événement de Noël. Hideo Kojima. Non, c'est pas possible. Ok. Les filles. Duke Nukem qui est partout, c'est génial. J'ai plus mon sabre, d'accord, ok. Pourquoi pas. Bon, bah, on va aller voir à l'appart. Hein, puis... Putain, il y a une arme au-dessus. Comment je suis censé aller au-dessus? Ça fait bien des dégâts de feu déjà, ça c'est sûr. Comment je suis censé aller à l'étage? Par l'escalier, j'imagine. L'escalier qui est lui-même verrouillé. Ok, pourquoi pas. C'est sympa comme endroit, honnêtement. Moi, je veux bien vivre ici, il n'y a pas de souci. Oh là, il y a une espèce de trou du cul. Un anus bizarre. Des cadeaux. Pourquoi mes cadeaux ils sont toujours vides? Mes cadeaux, restons légers. Bonjour Larry, comment tu vas? T'as rien à proposer Larry? Ok, je me casse Larry. Désolé Larry. Pas de soucis. Bah pourtant il y a quelqu'un qui veut bien me parler là-dedans. Je ne sais pas qui. Il veut pas me parler tout de suite apparemment. Ok, voici mon hôtel, pardon. Moi qui pensais qu'il y aurait des filles. Hard reset, hotline. Ah oui, c'est des trucs pour acheter les jeux, j'imagine. Il m'a demandé, mais merde, qu'est-ce que ce bordel? What? Ok, je viens de découvrir un secret. Bonjour. Putain, c'est les développeurs du jeu. Salut les mecs. Ok.
C'est la fête. Ah, c'est génial, je viens de découvrir un secret dans le truc, comme ça, là je me balade de manière complètement random. Et je découvre des secrets, parce que voilà. Ok. Porte. Ouh, il y a des choses intéressantes qui doivent se passer ici quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Alors, là aussi, il y a des trucs intéressants. Ça s'appelle la réserve, et il n'y a rien derrière. Ok, c'est cool. Pas besoin de faire tout ça pour rien. Hop, ok, c'est pas grave. Mon argent, où je suis censé le mettre? Je vais avoir un coffre, quelque part. C'est un téléphone qui sonne? Waouh. Non, ça c'est d'accord. Fruits défendus. Qu'est-ce que c'est? Toutes les statistiques plus 25% insolites sur les armes. Hein? Insolites? Ah oui, d'accord. Toutes les statistiques insolites sur les armes, d'accord. Ok. Fais péter. Soit on peut l'activer parce que voilà, fuck it. Ok. Point de compétence. On a un point à mettre? Non. Bon, bah alors pourquoi tu me le proposes? T'es débile? Je dois avoir une arme pas loin! Varvossi, d'accord. Dégâts aux ennemis de petite taille plus 25%. Ah, elle a de la. Oh. Elle a de la. C'est. Esprit sera améliore la régénération du type, d'accord. Donc j'ai maintenant de la régénération. I'm in here seeing through your eyes, but I'm also asleep back in Smith's dojo. I can feel myself with my eyes closed. I wonder if I can wiggle my. Don't pull a muscle. Would it kill you to let me concentrate for a second? You think it's easy sharing your mind with someone? I don't think I can move my body at all. Just so long as you can't move mine. Yes, sir, Captain Krusty, sir. At ease, soldier. J'ai un Alienware. Oh la gueule. C'est bourré de références, chers amis. Alors je sais pas du tout comment je suis censé sauvegarder dans le jeu, cela dit. Et ça m'embête. Ok, je pense que ça sauvegarde automatiquement, hein, cela dit. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode, je pense. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc pour tous les liens dans la barre de la chaîne, quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? A plus donc les gens. Ce village est juste. Ce jeu est juste épique en termes de tout. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est juste rigolo comme jeu, quoi. Tiens, Duke. C'était Duke avant, non? Non, c'était pas Duke. Où est-ce qu'il est, le Duke? Duke! Sauve-nous. D'accord, intéressant. J'ai pas de coup particulier avec cette arme-là. J'ai vu 100, je me disais qu'il y allait y avoir de la... Peut-être que je gaspille pas d'armes aussi. Si, je gaspille des balles. Même quand je recharge. Même quand je recharge. Donc, apparemment, cette tronçonneuse est juste épique. Ou alors c'est sur le nombre d'ennemis détruits. Ok. Bon bah je vous laisse aller, gens. Salut !